Dieu peut-il te rendre malade? Bonne journée, bonne nuit, bienvenue à tous mes amis de YouTube, à mes amis du site pierrelacroix.com et aussi le mardi à mes amis de ECC Radio-Télévision, une initiative charismatique qui a son siège au Texas et qui rediffuse cette vidéo du mardi juste avant. Ma grande amie Marie-Chantal Koumoué, qui est la bergère de la fraternité Béthanie, ici à Québec, dans la ville où je reste. Voilà, et j'ai collaboré un petit peu à la fondation de cette magnifique fraternité qui a beaucoup d'activités et des belles choses. Et Marie-Chantal est là sur ECC, en direct tous les mardis soirs à 19h, heure du Québec, plus 6, donc, oh là là, 20h du matin, plus 4. 23 heures en Afrique ou en Angleterre, 19 heures actuellement dans l'Amérique et voilà, les Antilles. Voilà. Bravo pour Marie-Chantal. Bravo pour Marie-Chantal. Aujourd'hui, ben, je parle de ce que Dieu peut rendre malade. Quand on regarde l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui commence avec la naissance de Jésus-Christ et qui va avec les actes des apôtres et puis les écrits de Paul, de Jacques, de Pierre, de Jean, bon, etc. Mais dans l'Ancien Testament, il est certain que quand quelqu'un avait une maladie, que ce soit la lèpre ou peu importe, ils étaient rejetés et vus comme étant punis, la punition de Dieu. J'oserais te dire, et là je vais peut-être te scandaliser, attention, Jésus-Christ est venu nous délivrer de ce Dieu-là, tel que le peuple juif, les autorités juives de l'époque, les grands prêtres, le présentaient. Parce que si on lit très bien l'Ancien Testament, on voit que Dieu est bon, on voit que Dieu est miséricorde. Mais les écrivains qui étaient, bon, peu importe les traductions, et puis voilà. À un moment donné, tu sais que Dieu est bon. Il y a une dame ici qui dit, qui m'a envoyé un mail, je trouve ça magnifique, c'est de Manon. J'ai vécu plusieurs expériences depuis 2 ans. Vous lire me fait un grand bien, un bien énorme. Je croyais que Dieu m'avait laissé tomber. Bon, alors que c'est moi qui m'étais trop fermé, par peur de souffrir encore plus. Mais aujourd'hui, vous vous avez réveillé ma foi. Vous m'avez redonné la foi. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de Dieu, car je sais qu'il est là, près de moi, juste à l'intérieur de moi. Oui, c'est là qu'il t'attend. C'est dans ton âme, dans ton silence, dans ton intériorité. Merci Manon d'écrire. Il y a un passage dans le Nouveau Testament en Jean 9 qui nous parle bien de est-ce que Dieu punit? Est-ce que Dieu punit? Un jour, Jésus, il passe à un endroit, il est avec ses disciples, et les disciples disent, Matthieu 1, 9, Matthieu, non, Jean 9, verset 2, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché, ce qu'il pensait, ou à cause du péché de ses parents? Tu vois la cause de péché, condamnation. Combien de gens, j'ai vu des gens dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? Pourquoi ne m'exauce-t-il pas? Bon. Voilà ce que Jésus répond. Jean 9, 3. Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Est-ce que c'est clair? Il est aveugle pour qu'apparaisse l'œuvre de gloire, d'amour que Dieu peut et veut accomplir en lui. Voilà, un peu plus loin. Pardon. Jésus cracha à terre, fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle y alla, se lava la figure et quand il revint, il pouvait voir. Acclamons cette parole de Jésus-Christ. Voilà Jésus, voilà l'amour de Jésus, voilà l'amour de Jésus, voilà l'amour de Jésus. Jésus nous a libérés de ce Dieu vengeur. Le père Jean-Paul Rosenbaal, trinitaire, décédé maintenant, fondateur du renouveau charismatique ici au Canada, disait, avant d'aller lire l'Ancien Testament, passer 30 ans dans le Nouveau, ça suffira. Parce que qui voit Jésus, voit le Père.
Et il y a un cheminement, une compréhension qui évolue dans l'Ancien Testament et que, avec Jésus, ça ne tient plus. Est-ce que vous avez vu Jésus maudire quelque chose à part un figuier? Non, pas du tout. Il aurait pu. C'est tout le contraire. Il va dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est là, la croix, il est là, la croix. Bon, le symbole de la croix, c'est ça ici, mais il y a eu une croix, il y a eu un vrai Jésus, et puis il a pardonné à ses ennemis, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et puis il va même offrir le paradis à un larron qui est un bandit qui est juste à côté de lui. Ah oui, ah oui. Mais je me rappelle un fait, je vais vous raconter ça, je prends 3-4 minutes. C'est arrivé à l'école Lacroix, sur le boulevard Lacroix, à Saint-Georges-de-Beauce. Ça, c'est au sud de Québec, 125 km au sud de Québec. Nous y allions, bon, une fois par semaine, aux deux semaines. On a fait ça pendant un an. Et tout à coup, on était, après la conférence, les louanges, les petits témoignages au début, il y a un petit garçon de 8-9 ans, faut pas, 7-8-9, qui vient me voir, j'étais en train de prier sur quelqu'un qui me tire la chemise comme ça, il dit, viens, 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 ma mère pleure. Bon. Et là, je les ai excusés, je suis le petit garçon, il y a quelque chose qui se passe là, pourquoi sa mère pleure, là, c'est quoi l'histoire? Donc, je vois que Roger et Raymond Trépanier, c'est un couple qui était avec nous, qui ont été à tour de rôle président de Cité du Père à l'époque où c'était en marche, l'œuvre, notre œuvre de l'époque qui était là 30 ans. Et ils étaient dans l'équipe de ministère de guérison, d'imposition des mains. Et c'était bizarre parce que c'était quand ils étaient en couple que la puissance passait. Voilà. J'appelle, il y a deux jours, Raymond, j'ai dit, est-ce que tu te souviens du petit gars qui m'a conduit vers sa mère, qui pleurait et que vous étiez en train de prier sur cette dame-là? Elle dit, si je m'en rappelle, si je m'en rappelle. Et elle dit, là, elle me raconte que elle demandait, la dame qui était là, la mère du petit gars, demandait la guérison de son fils. Et clairement, elle voyait bien que l'enfant ne voyait rien, les yeux étaient, voilà, perdus. Donc Raymond me dit, au téléphone, il y a quelques heures, quelques jours, il me dit, là j'ai vu, quand Jésus a craché par terre, a fait de la boue et l'a passé sur les yeux de l'aveugle de naissance. Elle dit, cet enfant-là était aveugle de naissance. J'ai dit, oui, je sais, il me l'a dit. Et sa mère pleurait parce que son enfant avait été guéri. Donc, Raymond raconte à l'enfant, je vois à l'intérieur de moi Jésus qui met de la boue. Elle frotte ses mains sur les yeux de l'enfant et l'enfant commence à voir, à regarder, à s'étonner, à sauter de joie. Il vient vers moi parce que sa mère pleure. Et je demande à la mère, pourquoi pleurez-vous, madame? C'est un grand miracle, aveugle de naissance, waouh! Et il y a des gens qui s'en souviennent, la vidéo, là. Il y a des beaucerons qui écoutent, qui étaient à l'école Lacroix, boulevard Lacroix, ça doit exister, école primaire, on était dans la grande salle, il y avait une foule énorme. Et il y avait beaucoup de monde, on a dû changer d'endroit parce qu'il y avait trop de monde. La gloire de Dieu avait éclaté. Pourquoi est-il aveugle de naissance pour que la gloire éclate? Ben voilà, la gloire avait éclaté sur ce gamin, ce grand garçon de 7, 8, 9 ans, je ne me souviens plus. Et Raymond s'en souvient, a dit, j'ai vu une vision intérieure, je voyais Jésus qui mettait de la boue sur les yeux de l'aveugle de naissance. Et j'ai fait le geste, et puis l'enfant est parti en joie. Et la mère pleurait parce que c'était un enfant qui avait été conçu hors mariage, disons-le comme ça. Voilà. Il avait une mère, mais un père qui n'est peut-être pas connu trop. Voilà. Erreur de jeunesse. Et voilà, j'ai dit, madame, et je lui ai parlé de Jean 9, c'était pour qu'éclate la gloire de Dieu. Ce soir, la gloire a éclaté. Et pendant, à cette époque, mes conférences étaient
partout dans la province de Québec, la section française du Canada. Mais dans la Beauce, qui est une grande région, on était là chaque semaine, à un village, l'autre église. On a fait toutes les églises de la Beauce parce que les gens savaient qu'il y avait des guérisons. Et ils venaient parce que le Dieu qui était là, c'était le Dieu de la Nouvelle Alliance, qui disait, ben, allez, annoncez la bonne nouvelle et puis je vais appuyer tout ça par des signes et des miracles. Amen, amen, amen. Et il y en avait. Et quand on disait aux gens, qui veut témoigner? On avait quelqu'un avec un micro, là, et il y avait une filée de 10-15. J'ai dit, on en prend 10, là. Vous viendrez à la prochaine. Donc, tout le monde venait, venait. Et on a vu la gloire de Dieu. Dieu ne punit pas. Dieu est venu guérir, sauver. Dieu est venu pour les malades. Ce n'est pas un Dieu punisseur. La révélation en Jésus-Christ, c'est un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, dont l'amour est gratuit, et qui en plus, comme dit madame là, dont j'ai lu la lettre, qui est à l'intérieur de nous. Madame. Manon. C'était ça, hein? Manon. Voilà. Retrouvons le vrai Dieu. Jésus nous a redonné le vrai visage du Père. Qui me voit, voit le Père. C'est tellement bien écrit dans Saint Jean. Qui me voit, voit le Père. Eh bien, ce Père, il est un gros cœur d'amour, une grosse boule d'amour que tu vas trouver, non pas dans des objets, non pas dans des méthodes, dans des recettes. Non, pas du tout. On en parlera jeudi, si tu viens. On en parlera jeudi. Mais qu'on trouve à l'intérieur de nous, dans notre pauvreté, il a décidé de s'installer dans notre crèche intérieure, là où c'est pauvre, là où ça ne sent pas toujours bon, là où il y a des souvenirs pénibles, là où il y a des erreurs. Eh bien, dans cette pauvreté en nous-mêmes, en toi-même, en moi-même, il est là et il te dit « je t'aime. Je t'aime. » Est-ce que tu comprends? Je t'aime. Je sais que je répète, mais il te dit « je t'aime. » Tu as fait des histoires. Je t'aime infiniment, gratuitement. Je t'aime. Fatigant, arrête pas d'écouter. Je t'aime. Ô Père éternel, je brandis ce symbole là où tu t'es donné à travers ton Fils pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous conduire dans l'éternité d'amour. Ô Père, touche maintenant. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui se sentent coupables comme cette femme, comme cet enfant aveugle de naissance, que tu as totalement guéri et qui l'a démontré à travers des dizaines de conférences dans le coin après, et qui venait tout le temps me dire « je vois ». Il disait à tout le monde « merci Seigneur, que ta gloire éclate ». Pourquoi est-il malade? Pourquoi mon ami est-il malade? Pour que ta gloire éclate. Père, manifeste ta gloire maintenant. Oh, il y a des cataractes. Eh bien, l'opération ne sera pas longue, hein, parce que tout est guéri. Quelqu'un a silement dans les oreilles, c'est terminé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de cette gloire de Jésus qui a éclaté au matin de Pâques, le mal est écrasé, les chaînes sont coupées. Quelqu'un qui a un cancer des os. Ouais! Eh bien, tu vas connaître un plateau, il y a quelque chose qui va changer. Au nom de Jésus-Christ, ceci sera un grand miracle. Merci Père, pour ta gloire. Quelqu'un attendait le prince charmant. Ah ben, d'ici un mois, tu vas le voir arriver. Pas comme selon ton désir, mais selon ce que Dieu veut. Et il t'accompagnera dans les fréquentations. Merci Seigneur. Et vous aurez plusieurs enfants. Gloire à Dieu. Eh bien, il n'y a pas encore d'écoute. Ce mardi sur Skype, je vous le dirai. Et ceux qui m'écoutent, ceux qui me captent le mardi, n'oubliez pas que mardi soir, 19h, heure du Québec. Tout de suite après, Marie-Chantal, l'émission s'appelle « La tente de la rencontre ». Ça dure une heure. Elle a plein de beau charisme. Waouh! On l'écoute avec... C'est du bonbon.
La tente de rencontre, ECC Radio-Télévision. On se retrouve, nous, jeudi.